Vous êtes devant le JT Express de Planète GT. Aujourd'hui, on parle de la Tesla Model 3 Action. Dans la nuit de vendredi à samedi, Tesla a enfin présenté la Model 3. Son véhicule électrique accessible qui débute à un prix de 35 000 $. Et on a découvert qu'il y avait une deuxième version longue distance qui offre jusqu'à 500 km d'autonomie pour 44 000 $. Et cette voiture est véritablement importante, ne la sous-estimez surtout pas. En termes de style, on reste proche d'une Model S, mais avec un peu plus de simplicité dans le design. Quand vous voyez une Tesla Model 3, ce qui est appréciable, c'est que le design est reconnaissable, mais n'en fait pas trop. On a vraiment l'impression d'avoir une voiture qui fait dans la simplicité. Et surtout, Tesla a voulu aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, oubliez tout ce qui peut faire excessif. On a un seul écran en position centrale, plus besoin d'écran derrière le volant, tout simplement parce que selon Tesla, dans le futur, tout sera tourné vers la conduite autonome. Alors pourquoi se casser la tête? On pourra se reposer dans sa voiture, lire le journal, regarder une vidéo, mais conduire ne sera plus vraiment une priorité. La Tesla Model 3 met plusieurs choses en avant, la simplicité, le confort, l'accessibilité. Vraiment, c'est une voiture qui veut faire très simple pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux véhicules électriques. Et ce qui est très fort, c'est que si la Model S et la Model X sont des voitures haut de gamme chez Tesla, ce n'est pas pour autant que dans la Model 3, Tesla a oublié de mettre le meilleur de sa technologie. Il y a toujours l'autopilote dans la Tesla Model 3, ce sera une option à 5 000 $. Ce qui est un peu bizarre, c'est que de base, tous les véhicules en seront déjà équipés, mais pour l'activer, il faudra payer cette option. Et pour avoir l'autopilote complet, il faudra encore rajouter 3 000 $ à ces 5 000 $. Et ensuite, vous avez une option premium à 5 000 $. Ce qui fait que pour environ 55 000 $, je crois, vous pouvez avoir une Tesla Model 3 équipée du meilleur de la technologie en conduite autonome. Il faudra vraiment qu'on teste ça. Et je crois qu'il commence à être temps que j'essaye une Tesla Model S. Parce que Tesla fait les choses en grand quand même. C'est assez amusant de voir à quel point ils changent le game. À quel point ils essayent à chaque fois de faire les choses différemment. Et comment ils ont l'air de pas se prendre la tête comme peuvent le faire d'autres marques. Et c'est assez appréciable. Bref les amis, c'est la fin de ce JT Express, j'espère que ça vous a plu, excusez-moi, je suis très fatigué en ce moment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles news. Si tu es nouveau, tu t'abonnes, si tu es déjà abonné, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu penses de cette Tesla Model 3, est-ce qu'elle va marcher, est-ce qu'ils vont réussir à la produire dans les temps, ça va être pas mal du tout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, tu me suis aussi sur Instagram, salut à toi.